Seigneur Jésus, toi le serviteur juste et pauvre, annoncé par les prophètes, tu nous manifestes la tendresse inépuisable du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ, toi le ressuscité, tu nous libères de l'emprise de la chair pour nous faire partager en abondance la vie de l'Esprit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, pour le pasteur doux et humble, tu t'es abaissé pour porter le fardeau des tout-petits et marcher au rythme de nos pas. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous libère du fardeau de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Ainsi parle le Seigneur.
Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, car tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.
prenez mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Les liturgistes ont bien choisi aujourd'hui le thème de cette célébration. Attelé avec le Christ. Je me rappelle quand j'étais jeune, c'était très très important pour le cultivateur qui avait le moindrement de grandes terres ou de grosses récoltes d'avoir pas seulement qu'un cheval, mais au moins deux. Et deux chevaux, c'était bien important qu'ils soient compatibles, qu'ils ne soient pas pareils l'un l'autre, mais compatibles. Ça ne pouvait pas être deux étalons, il y aurait trop fait de compétition l'un envers l'autre. Pour tirer la charge, il y aurait une compétition mutuelle, ça accrochait. Deux jeunes chevaux pas exercés, c'était comme impossible. Parce qu'un tire de son bord, puis un tire de son bord, puis chacun veut aller sur le côté, sont des jeunes. Un mâle ou une femelle, oh ça c'était bon. Ça pouvait très bien aller. Une jument puis un cheval pour tirer avec force égale, c'était très très propice. On appelait ça des types de chevaux. Le thème d'aujourd'hui nous parle d'être attelé avec le Christ, de faire partie de la team du Christ, d'être attelé avec lui, pas tirailler d'un bord et tirailler de l'autre, pas gigoter d'un côté et essayer de faire à notre tête, non, ajuster notre force à celle du Christ, ajuster nos comportements à ceux du Christ pour que nous puissions tirer d'une force égale une charge sensible. Et lorsque le Christ nous dit « Prends mon joug, mon fardeau est léger », c'est probablement que lui, il tire plus fort que nous. Et ça paraît pas, parce qu'il y a juste sa force à la nôtre. Et notre vie chemine vers le Père à travers le Christ. Nous sommes attelés, nous sommes en team avec le Christ. Nous sommes ses disciples. Lorsque nous travaillons en Église, travailler avec nos frères et sœurs, c'est travailler avec le Christ. On n'a pas à être en compétition les uns avec les autres. Nous sommes toutes les deux porteurs de la même identité du Christ et porteurs de la même vitalité. Et toutes les deux, nous portons le même joug. Et nous tirons la même charge. Nous portons en même temps le poids. Donc le poids il est plus léger pour l'un et pour l'autre, parce que nous sommes deux à porter le même poids. Et en Église, nous sommes plusieurs à porter ce poids, pas juste deux. On porte le poids avec tous nos frères et sœurs humains, il devient beaucoup plus léger ce poids. Parce que ce dont moi je ne suis pas capable, parce que j'ai bien mes limites, puis je vous avoue que je les connais pas mal. Peut-être qu'il y en a certaines qui m'échappent encore, mais je sais pas mal bien qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je peux pas. Mais ce que je peux pas, je sais qu'un autre, près de moi, le peut. Je sais qu'un autre a, lui, ces qualités que moi, j'ai pas. Et je sais aussi que j'ai des qualités que l'autre n'a pas. Et c'est à moi de les mettre en œuvre, en même temps que l'autre. Pour l'aider, le soutenir dans sa démarche où il est plus faible, plus petit, moins fort. Le Christ fait ça pour chacun de nous. Nous sommes plus faibles.
il s'ajuste à nous, il se met en équipe avec nous, il forme un team avec nous. Il est celui qui nous invite à prendre le joug, à nous atteler. L'attelage du Christ, elle est formée de toutes sortes de belles choses comme le pardon, la miséricorde, la ceinture aux reins qui est son amour. C'est ça son attelage et c'est celle-là qu'il nous invite de prendre avec lui. Il y a aussi quelque chose de difficile à prendre qui fait partie de l'attelage du Christ. Sa croix. Ce geste ultime qu'il a posé et qu'il nous invite à faire, nous aussi. Demandons-lui cette grâce aujourd'hui dans notre célébration d'être assez courageux, assez inventif pour se sentir capable de supporter nos frères et sœurs dans leurs besoins en multipliant la force par l'autre qui nous accompagne, le Christ ressuscité. Amen. Amen. Exprimons ensemble la foi qui nous habite, cette foi à travers laquelle nous aussi nous disons au Père que nous sommes ses fils et ses filles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Approchons-nous comme les tout petits de l'Évangile, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Après chacune des intentions, je vous invite à répondre avec moi. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que l'Église soit à l'écoute des joies, des peines et des aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps, prions le Seigneur. Dieu tendresse et d'amour, pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leur condition sociale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et d'amour, pour que les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, de laissés pour compte trouvent toujours un écho dans nos célébrations, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et d'amour, écoute-nous. Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leur peine, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, prie pour nous. Pour que notre communauté, à l'écoute de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Prions pour toutes les personnes qui se sont confiées à nous au cours de cette dernière semaine. Les grands besoins de prière, les grands besoins de grâce que beaucoup de gens demandent. Soyons généreux de notre prière au quotidien pour toutes ces personnes. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Prions pour toutes les personnes qui nous sont confiées
qui sont à la rencontre du Père, afin que, par la grâce de la résurrection, le Christ les accueille dans l'éternité. Prions le Seigneur. Dieu tendresse et de bonté, écoute-nous. Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux. Accueille les prières que nous te présentons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur des saints. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Comme cette eau se mêle aux mains pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu notre Père. À ces offrandes que nous apportons à l'autel aujourd'hui, nous voulons associer chacune de nos vies. En particulier lorsque c'est difficile pour nous de correspondre au Christ. Chaque fois que nous nous engageons ou que nous freinons la force qui nous habite, afin de réaliser l'œuvre du Christ dans nos vies, Père, accepte de nous transformer comme tu acceptes de transformer pour nous ce pain et ce vin. Permets qu'il devienne pain de vie et vin pour le royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours, humble et pauvre. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Fais que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. On a besoin de Dieu et de Saint-Germain. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, ton glorieux en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi, en victime de notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir avec lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les anges, avec les puissants en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le bénit, puis le rompit. Le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. La donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Et il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Affirmons notre foi en ce Dieu qui est notre Père,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as offert ta paix pour que nous la partagions. Partageons entre nous cette paix du Christ et qu'elle soit toujours avec nous. De 15h jusqu'à 17h,
pour la prière à ces pèlerins, ceux et celles qui désirent venir partager un moment de prière avec ce saint merveilleux qui soutient les malades, particulièrement ceux du cancer et de toutes sortes de maladies de longue durée qui conduisent à la mort. Samedi soir prochain, nous aurons la première messe dominicale. Nous célébrerons l'Eucharistie à compter de 16 heures. Et nous aurons dimanche matin prochain, à 8h30, 10h et 12h30. Alors il y a un petit décalage entre l'horaire habituel que nous avions avant celle de la messe, 11h15, et rendu à 11h30. Alors, vous êtes les bienvenus à chacune des messes. Il faut bien dire que l'Église est censurée, comme je dirais. Elle est confinée. Alors, il n'y a pas de la place pour tout le monde dans l'Église, dans notre bâtisse Église. Il y a de la place, une quarantaine de places en tout et pour tout. Alors, si vous arrivez à la dernière minute, probablement que les places seront toutes occupées, c'est les places disponibles. Alors, vous pourrez être invité à venir partager pour la prochaine Eucharistie, si vous venez à 11h30. Alors, il sera probablement, nous n'aurons pas d'autres célébrations, à moins qu'il y ait une foule qui soit obligée d'être tentée. Alors, je me consacrerai à célébrer une cinquième messe. Mais cependant, si c'est possible, qu'on ait des messes prévues pour ne pas en rajouter à 30 non plus. Alors, je nous souhaite un bon déconfinement, une bonne ouverture de l'Église, un bon temps de prière et de ressourcement. Alors, il y aura des bénévoles qui vous accueilleront de l'extérieur jusqu'à chacune des places disponibles. Ils vous conduiront. Alors, je vous invite à accueillir les demandes qu'ils vous feront. Chacune des personnes est invitée à apporter son masque de préférence. On ne peut pas l'obliger, parce qu'on n'est pas obligé que le monde à dire non plus « Ben moi, je ne pourrais pas porter de masque, je ne pourrais pas aller à l'église. » Mais quand même, on insiste un peu pour inviter les gens à porter le masque pour éliminer le plus possible de possibilités de contamination. Je sais bien qu'on n'est pas tous contaminés, mais il ne faut pas prendre de risque. Alors, je vous invite à être accueillant pour les bénévoles qui vous guideront dans cette démarche nouvelle que nous vivrons ensemble. Parce que pour moi, ça va être une première fois aussi d'accueillir un nombre restreint de paroissiens selon les capacités et les limites imposées par la santé publique et l'archevêché. Recueillons-nous maintenant dans un dernier instant de prière avant de conclure notre célébration. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et demeurez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous n'aimons pas.